Vous allez découvrir maintenant un portrait. Il a réalisé ses premiers clichés de l'année 2022. Il s'appelle Manu Mangin et c'est un photographe défenseur de la nature, des valeurs hein, qui ont une véritable résonance dans notre époque actuelle où la préservation de notre environnement est devenue un enjeu majeur. Frédéric Madier sur un montage de Ludovic de Bruyne. Ah, on a une grande aigrette aujourd'hui. Pécard, héron, cormoran. Mais il y a du monde aujourd'hui. Ça va le faire ce matin. C'est la première sortie photo animalière de l'année, donc elle est importante. Et puis ici, sur les étangs, on a les oiseaux migrateurs qui sont là, il faut en profiter. J'ai toujours aimé la nature depuis tout petit. C'est vrai que ça fait une dizaine d'années que je fais de la photo. Depuis 4 ans maintenant, je me suis focalisé sur la photo animalière parce que c'est ce que j'aime, comme j'aime la nature. Je tenais ça de mes parents. Et puis voilà, puis de toute façon, la nature, elle est belle, elle est riche. Puis il faut la protéger. Donc moi, j'aime bien mettre son image et puis ça me passe le temps, ça me détend. C'est une passion, hein. C'est une passion à plein temps, évidemment. Il a la tête vers le bois, il va pêcher. Poum, il a pêché. Autour de chez nous, il y a énormément de choses à voir. On a les sangliers, les chevreuils, les lapins, etc. Mais on a beaucoup d'oiseaux qui passent ici. Par exemple, moi, cette année, sur mon village, j'ai eu la chance de faire des cygnes noirs qui sont venus se poser dans notre terrain pas loin de chez nous. Prochaine mission, là ? Ah, prochaine mission, ça sera ce soir. Je vais faire un affût au chevreuil dans un spot que je connais bien, pas loin de mon village. Et là, je vais partir en début d'après-midi pour aller m'installer parce que, comme en hiver et qu'il fait nuit de bonne heure, eh ben, faut aller se poser de bonne heure et puis faut venir longtemps à l'avance pour se poser et ne pas déranger les animaux. Et puis après, on partira dans la nuit en espérant que je vais recroiser mes chevreuils que je vois régulièrement à cet endroit-là. En plus, il y a les petits maintenant, donc on va essayer de mettre les petits en image. Ça sera le mot de la fin. Merci. Je vous emmène faire un tour rapide.